Et yo le Nakama, c'est Shodaime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball FighterZ. Et dans celle-ci, cette fois, on va bien faire des combats, voilà. Et donc, je vous avais demandé de me faire des propositions. Et j'ai choisi, elle a été demandée, enfin la proposition, on me l'a faite il y a un petit moment. C'était quand j'avais fait le random contre Hassan sur One Piece Burning Blood. Et donc voilà, c'est Manu Super Saiyajin, donc SSJ, qui a fait la proposition. Qui n'est autre que faire... En gros, je dois prendre un BG, une brute et un moche. Mais voilà, en gros c'est ça, je dois prendre trois de ces personnages. Et je ferai pareil pour les ennemis en face. Et après j'inverserai, même principe que sur Burning Blood. Sauf que là je le fais sur FighterZ. Bien sûr. La difficulté, je l'ai mise à 100, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai fait un test là quand même, je vous rassure, ça va, je peux gagner avec la difficulté à 100, ça va, c'est pas impossible. Mais avec les personnages que j'ai décidé de prendre, ah, ça va être galère un petit peu. Allez, on va pas se le cacher, tu vois, parce que j'avais pris ma team de base, mais enfin pour tester la difficulté à 100, j'ai réussi à gagner, mais là, ça va être Tandax. Bref. J'envoie l'intro et on se retrouve pour le combat. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir... Ah, attends. Oh, je l'ai jamais vu cette cinématique. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris Trunks dans mon équipe, parce que Trunks c'est un BG. Et dans l'équipe adverse, j'ai pris Gohan Ultime, parce que c'est 3 BG aussi, tu vois. Et dans mon équipe, enfin, de toute façon, vous voyez, voilà, j'ai pris C16 et Nappa. Et dans l'autre, bon, Nappa, d'un autre côté, tu me diras, il a bien un rôle de brute, mais il est moche en même temps, tu vois. Wouah, ce qu'on me met. Et dans l'autre équipe, j'ai pris Kid Buu, parce que Kid Buu, c'est une brute à l'état pur. Tiens, voilà. Ah merde, je me suis raté. Ah, ça switch. Merde, je fonçais vers lui. Putain, il va déjà me buter mon Trunks, je sens. Il va me faire du sale. Voilà, Kid Buu, la brute à l'état pur. Wouah, ce qui me met. Ce qui me met. Allez, auto-combo, je m'en bats les couilles. Aïe, 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 aïe. Ah, bien. Ah ouais, d'accord, le mec, il se met en comment ça s'appelle? En limite... Oh, non, non, comment ça s'appelle? J'ai complètement oublié comment ça s'appelle, là. Voilà, tiens. Ah putain, j'ai du mal. Oh le bâtard, il a switché. Ah, je suis concentré, hein. Ah non, 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 je voulais faire un quart de cercle qui n'a pas marché. Tiens. Allez, hop. Ça, il l'a pas pris. Oh le bâtard, il m'a rentré un Masenko, mais qui est passé, mais tellement crème. Allez, on switch. Allez, toi, tu le prends. Non, non. T'as n'empêche, C16, il a failli crever. Ou alors, non, je sais. Ouais, si, je crois que c'est C16 qui a failli crever. Putain, du coup, ils sont tellement forts, t'as vu, je sais même plus ce que je voulais dire. Non, non, pas mon Trunks. Oh non. Switch, switch, switch. Allez hop, j'en ai buté un et on passe sur C16, parfait. Wouah, comment c'est chaud mon gars. Ah bâtard.
Ah là, tiens. Bon, le Barta, j'avoue qu'il casse les couilles. Allez, ça, tu prends, ça. Ou pas. Laisse-moi. Ah, il m'en a niqué un. Mais c'est pas grave, parce que lui... il a des grosses veines sur son front. Du coup, ça veut dire que son crâne, il va exploser. Voilà. C'est une théorie que je me suis faite... Oh, ça, c'est sale. Voilà, Trunks il doit tuer Sangwan, c'est comme ça, c'est le destin de la destinée, comme dirait Neji. Non, 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 Ginyu doit pas tuer Trunks. Pardon. Je me suis laissé emporter. Allez, Sparking Blast, voilà. Je m'en rappelle. Non, non, tu n'as pas le droit. Voilà. Voyez, j'ai même pas pu placer d'attaque ultime, mon gars. Waouh, comment c'était chaud. Ah, donc Nappa, en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Ah, parce que franchement, je me suis fait niquer. Mort de rire. J'aime bien ces petits dialogues. Donc ouais, en fait, je me suis tellement... j'ai tellement voulu m'expliquer sur ce que je voulais dire que, en fait, ça m'a déstabilisé pendant le combat. Du coup, ça fait qu'au début, je me suis un petit peu fait niquer. Je pense que le combat d'après, je vais mieux gérer, tu vois. Mais ouais, en fait, en gros, tu sais, Nappa, lui, fait un petit peu les deux. On va dire c'est la brute et il est moche, lui. Mais j'ai préféré prendre CCS quand même pour jouer le rôle de la brute. Et Nappa pour jouer le moche, quoi, tu vois. Et après, pour ce qui est de l'équipe adverse, voilà, Gohan, le BG. Kid Buu, la brute. Alors lui, c'est la brute à l'état pur, tu vois, mais vraiment. Et pour finir, Ginyu, parce que Ginyu, il est moche, quoi. On va pas se mytho. Bref. Donc, bah écoutez, on va se faire l'inverse maintenant. Et puis voilà. Allez, cette fois on se fait l'inverse. Bon, vu que je fais tout le temps en random, ça a changé de mob. Donc cette fois on se retrouve au Tenkaichi Budokai. N'empêche Trunks, il a jamais vu Gohan en ultime. Hein. Ah si si, ouais, mais vite fait quoi, c'est pas... Oh! Oh! Sacripant! Oh là là. Et merde. Non, j'ai voulu lui faire une attaque forte, ça a pas marché. Ah lui par contre. Oh, le ton combo triangle. Oh le sang, t'es mort. Allez tiens. Oh, c'est extrêmement sale ce qu'il a fait. Tiens voilà, moi aussi je sais faire des choses sales. Non, non, Takibu il fait tellement mal. Hein. Je voulais dire il fait tellement mal et en même temps je voulais dire il fait vraiment du mal. Hein. Allez, ça, il va pas se le prendre parce que la bite. C'est un argument valable. Hein. Ah oui les gars, je suis désolé. Oh, il a eu la... Oh, oh. Ouais, mais calme-toi frérot. C'est bon, wesh. La difficulté, j'ai mis sur ça, mais j'ai pas demandé à me faire enculer. Hein. Sois gentil. Non, tu veux pas être gentil? Putain, mais il me laisse rien faire, cet enculé! C'est quoi? Allez, voilà, changement de corps comme ça. Quoi? Quoi? Voilà, tu vas virer le plancher, illico! Presto mon gars, moi je te le dis hein. Oh il était beau ce combo. Voilà un peu moins. Mais ta gueule. Oh, 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 calme, 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 calme. Calme down, C16. Nous sommes amis tous les deux. C'est grâce à toi que Gohan a su se mettre en Super Saiyan 2 et c'est comme ça que tu le remercies. En lui pissant à l'arrêt. C'est scandaleux. Pour la peine, je vais switcher sur Kid Buu. Je vais essayer de placer une attaque ultime.
Je vais essayer, hein. J'insiste bien sur essayer. Voilà. Je pense avoir une idée de comment je peux m'y prendre sur Trunks. Allez. Et voilà, le finish. À coup de technique ultime. Il passe tellement crème ce... Oh, quoi ? Bah ma parole, tu vas te transformer en bonbon. Voilà. Allez, c'est comme ça que Trunks va crever. Voilà, la mort nulle de Trunks. Et en fait, Kid Buu, il aurait trop bon, il aurait trop bien fait un rôle d'Akaishin lui aussi. Hein. Ça lui aurait trop bien allé. Ça lui serait trop bien allé plutôt, un rôle d'Akaishin. Puisque le mec, t'as vu, lui, te détruit des planètes, mais sans problème. Freezer, la même. Et en vrai, t'as vu, Beerus, lui, il passe toute sa vie à dormir. Donc, laissez les... Enfin, je sais pas, Beerus, laissez-le dormir, voilà. Et bon, après, quand il se réveille, il redevient Akaishin. Mais pendant ce temps-là, laissez les autres remplir ce rôle. Hein. Et franchement, eux, ils jouent mieux leur rôle que Beerus, j'ai l'impression, tu sais. T'as Freezer, le mec, s'il te plaît, te brasse des planètes, cet enculé. C'est un ouf. C'est un ouf de la street, tu vois. Bref, bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo du coup. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Voilà, pour que je sache si ça vous plaît. Ouais, ça, c'est à ça que ça sert un petit peu le like. Ouais. J'ai bien lâché les ouais comme ça, comme le chef, genre, ça, parce que ça me fait rire. Du coup, je fais pareil. Ouais, parce que j'ai aucune personnalité. Bonjour. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Commentez pour me dire ce que vous en avez pensé. Et ce que vous voulez pour la prochaine fois comme proposition. Faites-moi des propositions précises. Dites-moi des personnages en particulier. Là, parce que j'aime pas, tu vois, genre quand on me fait des trucs, mais que c'est vague comme ça, tu vois. Bon, j'avoue, l'idée m'a bien plu, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais dites-moi des personnages précis pour la prochaine fois. S'il vous plaît, c'est plus facile pour moi en fait. Parce que si vous dites des trucs vagues, ça va pas beaucoup m'aider, tu vois. C'est. Enfin, genre, quand vous me mettez des thèmes, genre. Je sais pas comment vous dire, c'est un petit peu la merde. Donc, je préfère que vous me donnez des personnages précis à utiliser, voilà, ce sera beaucoup plus facile pour moi à sélectionner. Mais donc voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à me suggérer des combats à faire pour la prochaine fois. Partagez la vidéo et abonnez-vous si vous voulez toutes les suivre. Et puis moi les Nakama, je vous dis à la prochaine. Et Jana.